Ouais, c'est un truc de nain de se téléporter. Ils peuvent passer entre les mondes et tout, c'est sympa. C'est pour ça qu'on les croise partout. Est-ce que la statue est perdue? Il pense qu'elle est peut-être encore dans son estomac. Et il accepte de vous laisser entrer dans sa gueule pour la retrouver. En réalité, il ne raffole pas de l'idée non plus. Super. Super. Donc, on va vraiment le faire? On va laisser le serpent nous avaler? Tu n'es pas obligé de venir. Eh bien, j'y tiens pas absolument. C'est une idée... parfait. Parfait. En plus, c'est bien, c'est qu'il fait le tour du monde, le serpent. Donc, bon, bah, on peut chercher longtemps, quand même, hein, dans son ventre. Et sûr que c'est une bonne idée? Non. Ouais, c'est parti. Eh bien, mes frères, j'ai vu un tas d'endroits étranges, mais ça, c'est une première. Je suis jamais allé dans le ventre d'un géant non plus. Et toi, père? Aucun qui ne cherchait pas à me manger. Ce genre de rencontre ne devrait même plus me surprendre. Ah, on va peut-être sortir par la force. Ventre de la bête. Mais on voit rien. C'est drôle, avant je rêvais que je me faisais manger. N'aie pas peur de tes rêves. J'ai pas peur, je me rappelais seulement ce que je ressentais quand j'étais enfant. Trouvons cette statue. Terrible. En plus, ça doit sentir bon. Ça sent meilleur que je ne l'aurais imaginé. Un peu comme de la bière de bruyère qui fermente. C'est même plutôt agréable. T'es vraiment bizarre. L'eau est brûlante ici. C'était bien de l'eau, hein? Oui, en partie. C'est pas de l'eau. Tu veux qu'on s'arrête ici? C'est pas de l'eau, petit. L'acide. Ouais, je me rappelle le titan, la Chronos. Là. Il l'a découpé de l'intérieur. Il a l'air gentil, Jormungand. Ça m'étonnerait qu'on doive faire la même chose. Mais... on a les lames du chaos, au pire. Si besoin. Tiens, porc. Il y a des petites créatures dans son ventre, c'est trop mimi. Trop mimi.
Peut-être en la rapprochant. Non. Non, c'est beaucoup trop loin. Comment tu veux que je la rapproche ? On n'atteindra pas cette plateforme. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux bien la pousser, mais comment ? Père, là-bas ! Quoi ? Ah ! Bien vu ! Bien vu, fiston. Aurait pu cacher ton œil. Non, c'est pas comme s'il pouvait encore voir. Sûrement dans le marteau, moi je dirais. Ou la tête. Mais j'opterais plus pour le marteau. Ah super. Tu devrais peut-être le remettre dans mon orbite pour le protéger. Doucement, doucement. Merci mon frère. On ne se rend pas compte à quel point la profondeur est importante. Ah, il a les deux yeux, super. Bon bah c'était beaucoup plus facile que prévu. Hein. Je suis même surpris en fait. C'est genre qu'on allait détruire la statuette, enfin la statue de Thor qu'il avait bouffé. Genre détruire les restes et la trouver à l'intérieur. C'est un peu bizarre de la trouver dans un coffre. En tout cas, allez, on se casse, ça pue. Qu'est-ce que ça fait, Mimir ? Très bien, je ne me sens toujours pas entier, mais c'est une nette amélioration. Le Bifrost est intact. Il fonctionnera. Alors nous avons ce qu'il nous faut. On peut enfin aller à Jotunheim. Rien ne nous arrêtera cette fois. Jeune maître, connais-tu l'expression « forcer le destin » ? Le destin n'est qu'un mythe inventé par les dieux. Oui, bien sûr. Tu es bien le fils de ton père, toi. Maintenant, on va voir... on va voir la réponse si le serpent veut nous laisser sortir. Je vois pas pourquoi il nous laisserait pas sortir, mais... Comment on va ressortir ? En faisant signe. Voilà. Accroche-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'était assez terrifiant. Peut-être que notre présence perturbe son estomac ? Non. Il se passe quelque chose. Il y a peut-être Odin qui doit l'attaquer, peut-être. Ou alors le forcer. À nous manger, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Rien de bon ! Content que ce soit fini. Quelqu'un le frappe ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être. On doit faire vite. Je suis tout à fait d'accord. Accroche-toi et ne perds pas l'équilibre. Le bateau chavire. Je vais le tiens. Thank you.
Atreus. Ça va. Je crois que je commence à être habitué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est à cause de nous? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là? Regarde! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Salut! Ah. Freya, on peut lui faire confiance, non? Tant qu'on n'en sera pas certain, garde tes distances. Le serpent monde. Que s'est-il passé? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi? Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose. Là! Ah, oh, bah lui, là. Je me doutais bien que blesser le grand serpent vous ferait sortir. Ah, c'est lui qui l'a tué? Est-ce que vous avez la moindre idée? La moindre idée? De ce que vous m'avez fait faire. Waouh. Mon fils. Mais... Il est un peu violent quand même, Baldur. Je suis là. Ne t'enfuis pas. Oh, je n'irai nulle part. Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé, mais laisse-moi te... Ce que je ressens? Ce que je ressens? J'ai passé les 100 derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot, pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie, celle de la vengeance... Elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi... Je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Oh. Tu recommences. Est-ce que... Arrêtez de vous battre! Putain, connasse! Écoutez-moi, tous les deux! Je ne vous ferai pas de mal, mais arrêtez! Tu les sens, les lames? Quoi? Oh, je n'ai pas besoin de ton aide! Je peux me défendre moi-même! Ah ouais, sympa. Je te conseille de tourner la tête, petit.
Ça va pas être beau à voir. Je te laisserai pas faire. Non, Atreus. Très bien. Non. Non. Oh la pâte. Atreus, tu saignes. Allez, respire, je t'en prie. C'est pas mon sang. Qu'est-ce qui... Ah, c'est pour ça qu'elle voulait les détruire, ces flèches. Je sens la douleur. Je sens absolument tout. Non ! Il est vulnérable maintenant. Attention, derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Freya veut nous tuer? Non. Tu entends le vent? On bouge. Cette flèche, le coup de Baldur, le gui? Dans la lanière du carquois, oui. Le gui l'a blessé. Freya a dit que c'était maléfique. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout me revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Qu'est-ce qui se passe? Elle contrôle cette chose? Comment elle fait? Ne t'emmène pas! Je peux le raisonner! Non, femme! Tu ne peux pas! Il a l'intention de te tuer! Tu ne peux pas m'arrêter! Putain, on... On est contre le géant et Baldur en même temps. Où est-il ? Je me moque qu'il me tue. Je le protégerai. Je ne le laisserai pas mourir. Très touchant. Ce sera bientôt fini. Là ! Arrête ! Tout de suite ! Oh la vie qu'il a. Attends Baldur, on a un problème. Costaud. Je ne vous veux aucun mal. En avant.
du mal à le taper, quoi. Ok, pas mal. Il y a une pierre là-bas. Elle est où la pierre? Est-ce que ça peut être encore plus épique que épique? Atreus! Atreus! Je suis là-haut! Je vais bien! Ça me fait chier, on a plus la pierre. Et moi, je vais incroyablement. Oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Bien. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Arrêtez! Non, mais t'es folle, toi. Violent Baldur, putain. Je crois que le fait qu'ils sentent les la douleur maintenant, c'est encore pire. Ça suit ou quoi? Putain, c'est ultra chiant de devoir récupérer de la vie pendant que t'as l'autre qui t'attaque. Et... c'est extrêmement chiant, ça. D'accord, ça va. Ok, vas-y, si tu te dis rien. Mais elle, je vais lui mettre des baffes, elle aussi. C'est incroyable. En fait, l'impact, il est horrible parce que l'impact de son saut, c'est pas genre l'impact qui fait des dégâts, c'est que ça fait plein de petites explosions tout autour de lui et ça arrête pas là pendant 5 secondes au moins. Oh!
sortir les lames du chaos. Ça marche pas, Ella. T'es pas sûr. Je peux rien faire. Ça va, ça va. Putain, faut vraiment le déloquer en fait. Où est-ce qu'il est ça? Pas de vie. Putain, le cible pas, bordel. Si, y'a de la vie là. Ouh, ça m'a touché. Quelle merde. Après, si c'est lui, ça va. Je connais ses coups, mais... Voilà. Mais c'est avec ces putains de merde. Merde. Non, ça va. Faut que je les ignore, en fait. Je vais essayer de les ignorer, les bestioles, et continuer à taper à balle dure. De toute façon, elles ont pas l'air de faire grand chose à part m'accrocher. Yeah.
Chier, bien évité, connard. Par contre, j'ai merdé là. Ouais, faut que je les ignore, mais bon là j'ai très très peu de vie. Ça me fait pas de dégâts en plus quand il m'accroche, quand Valvure me tape en même temps. Donc ça va, en fait je suis invincible quand il m'accroche. Donc ça va, c'est bien. Ah, non, non, non. Je l'ai vu trop tard. Ouais, ouais, on est complètement immortel pendant l'animation. Ça, c'est un peu con. Enfin, tant mieux pour moi, mais... ça rendrait les choses immondes, quoi. Beaucoup plus dur. Aïe, aïe, aïe. Après, faut pas que je sois dans un... Faut pas qu'il me saute dessus parce que ça explose pendant genre 5 secondes. Pendant que je suis pris dans... Oh là, ça c'est chiant. Non, là, j'ai merdé, là j'ai merdé. Non. Ça va, je commence à bien maîtriser. Allez, sprint, putain, Kratos, t'es relou. Des fois, il sprint pas quand c'est atroce. C'est un mal en point, ça d'ailleurs. Je sais pas si c'est une bonne idée de taper comme un con. Ah, ça va. Sauter dessus. Ah voilà, ça c'est ce que je craignais. En plus, je crois qu'il y a des combats, c'est fait exprès, genre une partie. Tu peux pas... T'as pas le gosse en fait. Le gamin, il est pas avec toi, donc il peut pas te ressusciter. Même si, si t'as une pierre. On avait pareil avec les rois là, les frères. Il est où, va dire. Là. Oh l'enfoiré. Sensation, c'est merveilleux, sensation. Oh.
Pas trop de dégâts, c'est ça. Gâché. Oh. Ouais, l'impact est violent, c'est son saut, c'est ça qui fait qui fout la merde en fait à chaque fois. Mais ça va, c'est gérable. Voilà, là c'est bon. Sensation, c'est merveilleuse sensation. Je vois rien. Frère, debout mon frère. Debout mon frère, debout. Allez, cours. Le problème c'est que en fait Kratos est lent pour déloquer et sprinter. Si j'avais pas ce problème, je pourrais esquiver son attaque, son saut très facilement. Mais Kratos est pas. Voilà. C'est vrai qu'il fait chier. Faudrait que je vois si le demi-tour, peut-être ça marche. Ouais. Seulement ça qui me fait vraiment chier. Ouais. Merde.
fait. Après, je peux le contrer indéfiniment, le truc. C'est un par cœur, le mec. Cette douleur. C'est merveilleux. Hop. Ah, c'est bon, j'avais contré. Saloperie, lâche-moi. Là, c'est bon. Ah non. On va esquiver. Il y en a combien de ces merdes, sérieux? La phase. Je vais te tuer. Allez, je sais pas ce qu'on est en train de faire. On y va. Ne t'approche pas de mon fils! Tu n'as pas à faire ça! Arrête-le! Pitié! Il y a déjà eu trop de souffrance! Silence! Tire, tire. C'est tellement classe. C'est tellement épique. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quoi? Il s'est énervé, Kratos. Pourquoi? Je suis gelé, c'est horrible. On va changer d'arme et tout aussi. C'est pas chiant du tout. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Ça va aller. Frère, non. T'es qui, Marie? Tu pourrais m'expliquer comment fonctionne le jeu ?